C'est là que j'ai laissé mes joues innocentes. Oui, à Tampico, je me suis défleurie. Je n'étais alors qu'une adolescente, beaucoup trop sensible à des tas de profils. Les combinaisons sont pas toujours bonnes. Comme une vraie souris, j'ai fait des dollars dans ce sale pays. Âge et qu'ils aient du linge de soie. Bah si j'aime pas le populo, c'est tout de même pas de ma faute. Je baisse comme une princesse, faut pas l'oublier. J'aime les magistrats, je suis folle des notaires, des marchands de bestiaux, mais surtout des bouchers. J'aime beaucoup mon travail, mais j'ai horreur du mal. Et quand je veux du plaisir, je couche avec ma sœur. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise, je me fais picorer le bonbon, je me fais farcir la motelette, je me fais donner le picotin, je me fais gonfler la mouflette, je me fais couvrir le rigondin, je me fais laminer les crevisses, je me fais foyer le cœur fendu, je me fais tailler la pelisse, je me fais planter le montvelu. Bah, qu'est-ce que tu fais toute la journée alors? Oh, mais le jour, mais ma chère, mais cela tient en peu de lettres, le jour. Je baisse, tout simplement. T'as raison. Tu es très douce avec mon homme, mais tout de même, mon amour, il est très exigeant. Il va des trucs à la gamme, des tensions, des succions, des pincements, des glacements. J'y fais un soir un retournement de bras, des pistolets, il est comme ça. Des tensions de nez, ça l'a piqué au vif. Et c'est pour ça qu'il m'a donné. C'est moi l'amour, qu'est-ce que j'ai? Voyez mes gros biscottos, castos. Avec ça j'ai l'air vache. Et une paire de pectoraux, taureaux. J'ai une pointe de fer. Mais non, t'as pas une pointe de fer. Mais non, oh. Mais vous mariez pas les filles. Vous mariez pas. Mettez vos robes de gala. Allez danser à l'Olympia. Changez d'amant 4 fois par mois. Prenez la braise et gardez-la. Et cachez la fraîche sous votre matelas. À 50 ans, ça vous servira à vous payer de beaux petits gars, rien dans la tête, mais tout dans les bras. C'est une histoire assez curieuse. Amélie n'avait jamais rien voulu savoir avec un blanc. Au bout de 15 années de fidélité conjugale, elle a marché avec un nègre. Comment ça, avec un nègre? Oui, un gentil petit négrillon, un porteur de parasol, un cadeau de Louis XV, amoureux. Oh, sacré Louis XV, alors celui-là? Oui, mais un soir qu'Amélie allait pour se mettre au lit, en retirant sa chemise, elle vit surprise au milieu de ses draps blancs, le petit